Le Zohar ce matin, Parashat Emor. Dit Rabbi Hiya. Hashem betzetra misir, betzatra misde edom, eretz racha, gam shamaim natafu, tachaze. Viens voir, il dit. Zakaim minun Israël, balma aden, balma daate, de kucha bechou, itraibiou, venun batkim midabikin be. Akosh Bechou voulait approcher Am Israël à son service. Il voulait qu'Am Israël soit proche de lui. Qu'est-ce qui rapproche le juif le plus à Kadosh Bechou? Il dit, c'est la Brit Mila. La Brit Mila, quand tu fais la Brit, tu es en train de mettre un sceau d'Akadosh Baruch Hu sur ton corps. Okay? Les téphilim, c'est sur notre corps. Sur, c'est en dehors de notre corps. La mezouza, en dehors de notre corps. La Brit, c'est dans notre corps. Alors il dit ici, Akadosh Baruch Hu voulait qu'Am Israël soit midabekin be, velo azlim benimuse, et qu'ils soient proches de lui, ils vont pas faire des autres choses. Alors, Reshima Kadisha, il les a imprégnés, il les a stompés avec le Reshima Kadisha, qui est la Brit Mila d'Akosh Bafou. Dit le Zohar, pas ici, dans une autre place. Il dit le Zohar, le nom d'Hachem, okay, le nom d'Hachem, c'est le même nom qui est écrit sur la Mezouza. Quand tu regardes la Mezouza, qu'est-ce que tu vois? Shakai, okay? Le Shakai, il se trouve dans notre corps. Comment il se trouve dans notre corps? Il dit, quand tu lèves les deux mains et tu as la tête au milieu, quelle lettre tu vois? Shin. Main droite, main gauche et la tête au milieu, c'est un shin à trois branches. Quand tu mets la main droite ou gauche, pas important, tu la lèves, qu'un pas haut, de côté, qu'est-ce que tu vois? La tête, de la tête au pied, c'est un vav et la branche comme ça, c'est dalet. Alors tu vois la lettre dalet, que ce soit de la droite ou à gauche, la lettre dalet. Et qu'est-ce qui manque? Ça donne le mot Shed, un démon. Has v'shalom. Comment tu rends ça Shem Kadosh? Comment tu le rends un nom sacré? Tu prends le prépuce et tu le coupes. Le prépuce, c'est le Yud. Quand tu coupes la peau de plus, l'organe, il sort, et tu vois comme le petit bout de l'organe qui ressort, et tu vois le Yud. Qu'est-ce que Shem tu as? Quel nom tu as maintenant? Shaddai. Il dit maintenant, tu es stompé par le nom d'Akosh Baruch Hu, tu es Akosh Baruch Hu. Mais il dit attention. Mais maintenant que tu as le nom d'Akosh Baruch Hu sur toi, ne va pas faire des bêtises. Ni des femmes mariées, ni des femmes non-juives. Ne va pas faire des choses parce que tu as le haute brit Kodesh. Tu as la Kedusha sur toi. Okay? Alors il dit ici, et Chas v'shalom, c'est lui qui fait des choses qu'il ne faut pas, mais chacun est en train de faire un faux témoignage à Hachem. Alors ils disent comme ça, Avraham Avinu, quand il a quitté ce monde, il a dit à Kosh Bahou, il veut s'asseoir au seuil, à l'entrée de Gehenem. Oui, pourquoi? Pourquoi il veut s'asseoir là-bas? Il a dit, je ne veux pas qu'un juif passe là-bas. Alors je vais, et dans la Torah c'est marqué, le Zohar le rapporte, Vehu Yoshev Petacha Oel Kechomayom. Il est assis au seuil de la tente quand il faisait une chaleur énorme. Dit le Zohar, de quoi on parle le verset? Il parle de Gehenam. Chomayom, c'est Gehenam. Petacha Oel, à la rentrée de Gehenam. Quand un juif, on lui dit, hey, toi, Gehenam, Avraham vit, non, bon, viens ici, montre-moi. Tu as brit Mila, toi? Tu as fait la brit comme j'ai fait moi la brit? Il dit, oui, j'ai fait la brit. Il dit, non, out. Tu rentres pas là-bas. Va l'autre côté. Il ne le laisse pas rentrer à Gehenam. Mais quand quelqu'un il vient, et avec sa Brit Mila, il a profané Haz v'shalom. Il a profané sa Brit Mila, il a fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Quand il vient, il dit, ah, tu as Brit Mila toi? Il dit, oui. Montre-moi. Hé, hey, toi tu étais malin, tu as couru de femmes, tu as fait des choses pas bien dans ta vie, toi. Il dit, ah, je suis circoncis, tu ne peux rien me faire. Il dit, je ne peux rien te faire, attends une seconde. Qu'est-ce qu'il fait Avraham Avinu, dit le Midrash? Le bébé qui meurt jeune, juste avant la circoncision, Ken, une fausse couche de bébé qui... Qu'est-ce qu'on leur fait? Qu'est-ce qu'on leur fait? Juste avant les enterrer, avec des ciseaux, on coupe le prépuce. Oui. Pour ne pas les enterrer sans Brit Mila. Pour qu'ils soient circoncis. Pour qu'ils soient circoncis. Parce que ces bébés-là, ils vont... Oui, même si... Directement au Gan Eden. Direct. Parce qu'ils sont circoncis, ils n'ont pas fait de faute dans leur vie. Ken? Avraham Avinu, on dit, il garde ses prépuces. Il garde ça. Et quand un homme comme ça, qui a profané sa Brit Mila, il fait, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'Abraham fait? Il prend une prépuce, il lui colle. Il dit, maintenant, tu n'es pas circoncis, tu rentres ici, toi. Tu comprends? Alors, il dit ici, Haz v'shalom, lo le shaker.
de ne pas faire un faux témoignage, un mensonge avec la Brit Mila. La Brit Mila, c'est Ot Berit Kodesh. C'est quelque chose qui est sacré. Et tu dois le garder bien. Ken? Alors, il ne faut pas faire des bêtises avec. Il faut toujours faire des mitzvot, même avec des choses comme ça. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.